Ranger ses classeurs, c'est genre obligatoire. Si tes cours sont mal rangés, t'auras énormément de mal à travailler. Et c'est complètement normal. Voilà, je veux dire, c'est toujours un petit peu chiant quand tu dois chercher pendant 3 à 4 minutes une feuille et que tu la trouves pas. Du coup, faut la demander à des potes et du coup, tu sais jamais où et tout. Voilà, ranger ses cours, c'est très important. Je pense que c'est assez obvious. Deuxième chose à dire, c'est que tu as donc ta méthode pour écrire tes cours. Tu peux écrire dans des cahiers, tu peux faire ça dans des trieurs. Moi, je vous présente aujourd'hui la méthode classeur, le classeur management, qui est, je trouve, enfin, pour avoir testé un peu toutes les techniques et pour avoir vu les autres tester toutes ces techniques, eh bien, celle-là est la méthode où tu perds le moins tes cours et ils sont le mieux rangés. Voilà. Donc, il faut que chacun ait sa technique. Moi, je vous en propose une toute cuite, toute prête. Voilà, donc si vous l'adoptez, tant mieux. Mais réfléchissez-y si vous êtes par exemple avec des trieurs, parce que ce qui arrive très souvent quand même avec des trieurs, c'est bon, les feuilles volantes, les feuilles qui se perdent, les feuilles qui se froissent, les feuilles qui sont pas rangées, les feuilles qui sont pas triées, les feuilles qui sont un petit peu en bordel les unes après les autres, une page de cours, une page d'exo, puis le DM, puis une autre page de cours, enfin, c'est un petit peu tout mis dans le désordre. Et alors que dans des beaux classeurs, au moins, on part sur une team intercalaire qui est plutôt sympathique. Pour ça, pour chaque matière, j'ai en gros deux types de classeurs. Tu prends les gros classeurs bien épais. Je les ai pris de la marque Esselt. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, physique rouge, mathématiques noires et chimie jaune. C'est toujours dans cet ordre-là que je les prends. Voilà. Pareil, si tu as tes couleurs à toi, voilà, si tu préfères, je sais pas moi, physique en noir et puis maths en mauve, et bien, tu décides. Mais bon, voilà. Moi, je propose ça, je trouve que c'est le plus simple. Voilà. Ça fait des couleurs, les couleurs elles sont très disponibles sur le marché, donc il n'y a aucun souci avec ça. Ça, ce sont tes classeurs à la maison. Et ça, ce sont tes daily drivers. Voilà, c'est ceux qui viennent en cours avec toi. Donc les classeurs, voilà, les classeurs simples, 4 anneaux de la marque Domedia. Voilà, marque Domedia, classeur simple, 4 anneaux. Voilà, les gros, ils n'ont que 2 anneaux. Classeur Domedia et puis une douzaine d'intercalaires à chaque fois pour les daily drivers et pour les maisons. Sachant que pour les maisons, tu peux en mettre 12, mais moi je te conseille aussi d'en mettre 24. Surtout si tu as des chapitres qui sont pas très gros, ça te permet vraiment de tout séparer bien correctement. Maintenant, je vous dis un peu comment tu sépares ça. Pour tes classeurs que tu emmènes en cours, du coup, bah, pareil, le code couleur est exactement identique. Dans ces classeurs, il n'y aura vraiment que le travail que tu effectues en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a le chapitre que tu étudies en ce moment. Pourquoi pas? Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je range un chapitre dans un gros classeur dès que j'ai terminé le DS dessus. Parce que très souvent, bon, tu écris le chapitre, t'as un DM dessus, t'as des exos dessus, t'as des cols dessus et t'as des DS dessus, alors que le chapitre est terminé. Voilà, donc ça dure à peu près 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ton chapitre il reste là-dedans. C'est-à-dire qu'en tout, t'as toujours à peu près 2 ou 3 chapitres. Rarement 4, mais souvent 2 ou 3 chapitres dans ton classeur. Voilà, ça te fait un classeur qui est très très fin, qui est pas du tout lourd, et surtout tout est rangé, c'est pas comme un trieur où t'as toujours. Moi j'ai toujours eu la flemme de ranger un trieur. Enfin, voilà. Le but des classeurs, c'est que les choses soient classées. Putain, je suis un vrai connard. Mais surtout que les choses soient bien accrochées, bien triées. Enfin, je veux dire, pareil, si tu mets un classeur, mais si tu mets des feuilles volantes, ça ne sert à rien. Voilà, le but c'est que tu puisses faire ça avec ton classeur et qu'il n'y ait rien qui bouge. Voilà, je peux faire ça avec tous. Voilà, le but c'est que globalement, assez constamment, bon, quand en cours le prof te donne une feuille, ben, tu vas pas emmener ta perforeuse avec toi en cours, mais bon, je veux dire, le soir c'est bien de perforer ses feuilles. Parce que oui, voilà, j'ai déjà dit souvent, mais pochette plastique, déjà planète mort, prix complètement mort, efficacité complètement mort, et en plus ça cache les intercalaires, donc en plus tu vois que dalle. Alors qu'entre nous, bon. Quand tu as tes feuilles de cours et tes polycopiés qui sont au même niveau, moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable, lisible. Enfin, on peut le voir là justement que c'est très parfaitement homogène. Et donc, acheter une perforeuse, ça coûte que dalle. Et ça permet d'avoir un classeur très très bien rangé. Pour les intercalaires, toujours les mêmes. Donc, pour tes daily drivers, le premier c'est des cours. Donc, tu ranges tes chapitres les uns à la suite des autres. Tu mets bien des titres. Voilà, tu sépares un petit peu tout. Ensuite, tu as des exercices. T'as des exercices et puis bon, t'as pas de TP en maths, donc tu mets pas le TP, tu mets directement DM. Mais bon voilà, TP, DM, tes cols aussi pour tes exercices de colle, tu les mets là, c'est très sympathique. DS. Et puis là, ce que je fais, c'est que quand j'ai terminé un chapitre, voilà, je le mets un petit peu plus bas, je le mets dans les intercalaires du fond, puis ça me permet de ranger des petits trucs à la con. Donc voilà, là t'as le chapitre que t'es en train d'écrire, et puis à la fin tu ranges les chapitres qui sont déjà bien faits, mais voilà.
Enfin bref, ceux que tu utilises encore, en fait, les chapitres que tu as besoin en cours, dont tu as besoin en cours. Pour ranger les DM et les DS. Donc pareil, là dans ce classeur, tu mets vraiment que ce que tu as fait très récemment. Voilà, je veux dire, tu gardes le sujet du DS qu'on ne t'a pas encore rendu, mais dès qu'on t'a rendu le DS, le sujet et la correction, tu peux les ranger dans tes gros classeurs. À chaque fois dans cet ordre-là, c'est-à-dire quand tu regardes dans mes gros classeurs, quand tu regardes dans la partie DS, alors je sais plus où elle est, je crois qu'elle est tout à la fin. Voilà. À chaque fois, tu mets le sujet du DS, ta copie avec ta note et le corrigé. Voilà. Donc à chaque fois, ça te fait trois feuilles pour chaque DS. Tu peux mettre une petite, un petit trombone pour tous ces assemblées. Et voilà, ça te permet d'avoir, tu le mets. Enfin, souvent à la fin d'année, tu en auras plusieurs des gros classeurs. Donc dans un classeur, tu mets tous tes DS, tous tes DM, tous tes TP, toutes tes fiches de colle, toutes tes interrogations de cours. Voilà, ça commence à faire pas mal. Ça te fait un bon classeur. Et puis comme ça, tu pourras le donner à ton filleul. Comme ça lui servira. Et plutôt, ça t'aide vraiment pour les concours aussi. Là, vous voyez, pareil, assez homogène, c'est plutôt sympa. Toujours dans cet ordre-là, du coup, sujet, ta copie, la correction, que ce soit pour les DS, pour les TP, pour les DM, comme ça le fait. Pour ranger tes cours maintenant dans les gros classeurs, un intercalaire par chapitre, donc c'est pour ça que moi je te conseille d'en acheter 24, voilà. Bah, le premier, on a suite, attends, comment il s'appelle? Voilà, suite et généralité, suite de fonction, intégrale généralisée numéro 2. Et puis là, j'en ai pas trop, puisque j'ai mes espaces vectoriels qui sont encore dans mon classeur de cours. Donc je pourrais ranger à chaque fois. Quand tu ranges du coup ton chapitre, tu mets donc, bah moi, enfin, nous on a un polycopié de début de cours qui nous suit pendant tout le cours. Ensuite, bah, tu mets ce que tu as écrit. Voilà, je veux dire, voilà, tes cours à toi. Donc voilà, tu fais des cours bien espacés, avec si possible des encadrés, des choses assez belles. Dès que tu as terminé ton cours, tu mets ta fiche de TD. Dès que tu as mis ta fiche de TD, tu mets. Alors, attendez, je vais vous montrer pour un autre. Donc voilà, enfin, tu mets tes cours tranquilles. Et quand tu mets ta fiche de TD. Tu mets ton TD et après tu mets tes feuilles d'exercice et où tu fais une encoche dessus. Ça permet de récupérer beaucoup plus facilement tes feuilles. Enfin voilà, toutes tes feuilles d'exercice, tu mets une petite encoche. Ça aide vraiment. Genre vraiment. Pareil, intégrale généralisée, le polycope. Ce que tu as écrit, voilà, bien espacé, encadré en rouge. Et puis en fait, tu vois, comme ça, quand tu vas à la fin directement, tu as la petite encoche. Ça te permet d'arriver à ton TD plus rapidement. Et puis à la fin aussi, tu mets ton corrigé de TD si tu en as un. Là, en mathématiques, il ne nous en a pas donné. Mais voilà, si tu en as un, tu mets ici à la fin. Voilà pour la petite technique. Donc, vous voyez comment ranger vos classeurs. Il y a une solution aussi que tu peux faire. Attendez, par exemple. Là, par exemple, je ressors mes classeurs de chimie de première année. Bon, je n'avais pas décidé de les mettre dans des gros classeurs, je les ai mis dans des petits. Mais là, vous voyez, j'ai mis les grandes parties. Voilà. Là, on a par exemple la partie 3, donc là c'est mon classeur de chimie organique, donc tous mes chapitres de chimie organique sont là-dedans. Là, partie 2, architecture de la matière, et puis j'ai mes TP aussi dans celui-là. Donc voilà, ça me permet d'avoir des grosses parties. Le problème, c'est qu'en mathématiques, tu fais pas trop ça, sauf si tu fais un classeur d'analyse par exemple. Pareil en physique, tu peux faire un classeur d'optique et un classeur d'onde. Voilà, ça se fait assez facilement, mais bon, pour l'instant, là c'est le début de l'année, donc j'ai décidé de mettre tout dans un seul classeur, et puis je rangerai. Ben, quand j'en aurai assez, en fait, parce que pour l'instant, j'ai pas assez de chapitres pour les ranger comme ça. Pareil, donc physique, tu fais exactement la même chose. Un intercalaire par chapitre, le cours, les exos, la feuille de TD au milieu, et puis à la fin de tes classeurs, tu mets les TP dans un intercalaire, les DM dans un intercalaire, les DS dans un intercalaire. Tu penses bien à faire ça assez souvent. Voilà, dès que tu as terminé un chapitre, tu le mets dans tes gros classeurs. Dès que tu as terminé un DS, tu le mets dans tes gros classeurs. Et à chaque fois, on perfore tout. Et ça te fait des classeurs qui sont très très bien rangés. Voilà, je te montre pour voir. Là, toute la première année, donc on voit les maths, la physique et la chimie. La chimie, bon, j'ai tiré deux classeurs, mais voilà. Je veux dire, je vous emmène avec moi. Mais voilà, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs classeurs. Ça fait plaisir. Et au moins, tout est rangé, tout est à sa place. Et c'est beaucoup plus rapide pour les révisions parce que sinon, ça met vachement de temps. C'est un petit truc en plus à faire en plus des cours, ça peut prendre du temps pour certains, ça peut être chiant vraiment. Moi je préfère largement cette technique aux trieurs parce que les trieurs c'est le bordel. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ai déjà fait une dans le même style, mais bon c'est beau de faire un rappel quand même, je pense que c'est cool.
N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des idées de. Enfin, si vous avez des questions par rapport à la prépa, si vous avez des idées de vidéos auxquelles vous aimeriez des réponses, je suis là pour vous aider. Ensuite, la liste des réseaux, qui est toujours la même, voilà, qui n'a pas changé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, celle qui est sortie juste avant. Je vous présente en fait des livres de classe préparatoire que m'a envoyé la marque, enfin les éditions Dunod, et j'en fais gagner. Voilà, là cette semaine j'en fais gagner 7, donc je fais gagner des petits formulaires. Je fais gagner ces formulaires-là, et donc je vous présente aussi ce bouquin. Je vous présente ma Bible que j'utilise absolument tous les jours. Donc allez sur cette vidéo, le concours se fait samedi soir. Voilà, samedi soir il y aura lieu le tirage au sort. Donc n'oubliez pas, vous verrez dans la vidéo comment on fait pour participer au concours. Tout se passe très très bien. Vous passez de très très bonnes vacances, et puis moi j'ai continué de faire une ou deux vidéos, là tranquillou, je vais tourner, c'est bien sympa. Travaillez bien, et puis bonne chance à tous. Ciao.